Eh oui, et c'est Ipar. Et bonsoir, bonjour, mes amis. Ah, toutes les unités. Qu'est-ce qu'on entend? Ok, bon, j'espère que vous allez bien. On va reprendre gentiment deuxième épisode sur Spider-Man Remastered, hein, évidemment. On a commencé ça la dernière fois. Alors attendez, puisque ça fait plus de 10 jours que je n'ai pas lancé de stream, donc évidemment, j'ai l'impression que je comprends plus rien. Pourquoi allô, allô? Ah oui. Ok, je vais mettre un peu plus de retour comme ça. Et donc, format particulier, puisque je suis ce soir, eh bien, seul et unique responsable de mes deux petits fistons, dont le plus petit dort à côté, dans le salon. Pas un bruit. Donc, le double dad, en effet, qui a chaud pour deux raisons, puisque à tout moment, eh bien, je peux me faire fuck top mon stream par le simple désir d'un bébé queener. Et également, puisque, eh bien, il fait extrêmement chaud, les amis, puisque je crois qu'il fait encore, eh bien, plus de 26 degrés à 21h ce jour. Et voilà. Donc, ma foi, on est Ipar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la dernière fois, on s'était arrêté. Et donc, j'ai fait de mon côté... Alors, ouais, je crois qu'il y a toujours un petit moment où le stream... Ouais, oh, bon, voilà, quoi. Le stream doit trouver un petit peu un sens à sa vie. Il me semble qu'il y avait eu des petits ralentissements, en effet, la dernière fois. Mais qu'au final, bon, le rendu global is ok, hein. Je n'ai pas non plus le PC de compétition, qu'on se le dise. Donc, on fait avec les moyens du bord. Et j'en profite également pour remercier... Alors, attendez, il n'y a pas de musique ou quoi là dans le jeu? Bon, bref, on verra après. On verra après. J'en profite pour remercier, bien sûr, les amis qui ont récemment follow la chaîne. Donc, Miss Nina 59, Malou 974, 970, Deledi et Rikang 924 pour les plus récents. Voilà, merci à vous les coupings. Voilà, je sais pas ce que je viens de branler. J'ai changé mon petit truc, mais c'est pas grave, let's go. Alors, ok. Pourquoi il n'y a pas de musique, là? On entend des sons. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire. Voilà. Regardez ce qui s'est passé. Compétences. Eh bien, je suis niveau 10. Et pourquoi? Eh bien, parce que j'ai en sous-marin, après, je sais plus, hein, le lendemain de la première session, eh bien, j'ai en sous-marin dévoilé légèrement... Eh bien, comment on appelle ça, les petites tourelles, je suis allé chercher les tourelles, je suis allé faire des photos, voilà, ce genre de truc en off, puisqu'en fait, finalement, voilà, les bâtiments comme ça. Pourquoi? Parce que finalement, bon, à mon sens, c'est pas non plus extraordinaire de faire ça en stream, et donc ça nous permet d'avoir un petit pécule, eh bien, de points à venir imputer ici. On a combien de points disponibles? 3. Ok, ok. 3 points disponibles. Donc, on va aller les mettre direct. Et on verra ensuite comment ça se passe. Et j'ai l'impression juste, par contre, que j'ai pas de musique, là. Quels sont les bails? Voilà. C'est dans réglage audio. Volume de la musique. Ok. Bon, c'est peut-être juste que... C'est qu'il n'y a pas de musique, en fait. Il y a un petit vent, il y a un petit vent qui souffle. Un petit vent qui souffle, qui chatouille, j'ai l'impression, les oreilles. Mais pour le moment, pas de musique. Bon, ça va se chauffer, hein, le petit stream qui va au bout d'un moment. Oh là là, la musique! Alors, on avait le double saut. Donc, j'ai les 3 points de compétence à les placer. C'est juste que je ne sais plus comment on se déplace. Alors attendez, ah oui, c'est B, pardon. Mon lancer principal, c'est B. Ok, comment je cours déjà sur les murs, là? Ah oui, c'est comme ça. Putain, j'ai réussi à me tanker direct, impeccable. Malou, et salut, ça va? Waouh, salut mon frérot. Comment tu vas? C'est le retour des vacances, mon ami. À toutes les unités, on a reçu plusieurs appels pour des agressions perpétrées par des hommes armés. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as taffé, t'es en vacances, tu t'es chillé chez toi. Quels sont les boys? Alors, attends voir. Je sais plus jouer, hein, par contre. My bad, hein.
10 jours sont passés par là. Et donc j'expliquais Malou que j'avais juste en off vite def j'avais été prendre quelques photos de bâtiments, j'avais été récupérer des sacs, mais je n'ai fait aucune mission criminelle, évidemment aucune quête principale. J'ai fait ça un peu en sous-marin parce que j'avais un peu envie de me balader dans le jeu. Et puis comme ça, ça permet, si tu veux, sur le let's play, d'avancer, entre guillemets, pas plus vite, mais d'avoir plus rapidement nos petits points de compétences à aller investir. Et donc, voilà. Et donc, je pense pas que ça soit le plus excitant de voir la prise des sacs, la prise des photos, ainsi que la prise des tourelles. Voilà. Donc, ouais, ça y est, j'ai le jeu, j'ai fini le jeu et un DLC. Mon gros cochon. Et ouais, mon gros cochon, t'as bien gommé le jeu, quoi. Et bah, c'est cool, tant mieux, tu pourras m'aider. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai rien pris en innovateur. Prise de toile. Maintenez Y. Bon, ça c'est vrai qu'il y a un petit côté rigolo. Contrôle aérien. Les attaques aériennes infligent plus de dégâts et génèrent plus de concentration. Ça me plaît quand même en vrai. Lancement rapide. Appuyez sur A lors du contact avec un point pour effectuer un lancement plus puissant. Waouh, c'est tellement stylé. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui concerne le déplacement, hein, pour le moment, hein, j'avoue. Hein. Saisie aérienne. Maintenez Y en étant dans les airs pour attirer vos ennemis vers vous. Et saut chargé, c'est quoi? Maintenez RT plus A. Ah oui. Ok. C'est pas trop mal. Ça, moi, j'aime bien. Est-ce qu'on prend quand même défenseur, ralentit le temps avant de recevoir un coup fatal? Mais ça, on l'a déjà, non? Une dernière chance. Ah oui, un coup fatal. Ouais, c'est ça. Putain, mais je sais plus jouer, je connais plus les touches. Ok, c'est pas grave. Bah, ça peut save quand même. Lancer, appuyer sur Y et maintenir Y pour saisir un ennemi. Appuyer sur X, pardon, et maintenir Y pour saisir un ennemi et le projeter dans la direction souhaitée. Tu me diras, Malou, si les volumes sont bons, hein, le micro, etc. Tout saut. Un coup parfait, appuyez sur X lorsque vos coups touchent un ennemi pour générer un bonus de concentration. Boum, boum. Ouais. Ouais, pas trop mal en vrai ça. Surtout que derrière, les combos élevés génèrent Vengeance. Ok. Augmente les dégâts et la portée de la frappe de toile. C'est lourd aussi en vrai. Le saut chargé, bon, c'est du bonus. Et le contrôle aérien, j'aime bien aussi. Bon, franchement, je vais me... Voilà. Pour l'instant, je bazarde ça comme ça. Et c'est y part. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Qui m'agresse là? Ok, je sais plus jouer. Hein. Comment on tape déjà? Wow. Désolé, je sais plus jouer. My bad. C'est B pour esquiver, c'est ça? Oui, c'est B. Comment je me donne de la vie? Wouah! Ok. Comment je fais déjà pour... Ok, c'est bien B les esquives, hein, c'est ça. Je devrais peut-être me méfier un peu plus de mes gros fans. Nice! Ouais, c'est nickel. Moi, j'ai surtout pris défenseur. Ok, nice. Bah écoute, ma foi, comme ça, ça permet de voir un petit peu différents styles. Donc, je reprécise, hein, flèche vers le bas pour les vieux. Ouais, c'est ça. Merci. Bon, écoutez, pour se remettre dans le bain, on va foncer vers... Il y avait quoi? Il n'y avait pas une agression, là, autour de nous? Ou il y a une agression juste là? On va aller prendre ça, quand même. Attention, chaud devant! Un accident, là-bas. Pas joli. Il pourrait y avoir des blessés. Ok, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je dois faire? Je crois que ce débris bloque quelqu'un dans la voiture. Ouais. Sauve les civils. Je dois faire comment? Comment je dois faire? Appuyez sur. Pardon, je suis teubé. Qu'est-ce que je dois faire? Y, A, B.
citoyen sauvé. Attends, il m'a dit un... Il y a quelqu'un sous cette voiture. Il faut que je me dépêche. Ouais, ah oui, d'accord, il est là. Oui, d'accord. Ok, c'est bon. Je suis là. Restez calme. Ok, nice. Excusez-moi, il est où l'autre? Il est là. Ok, comment je le sors, lui? Ok. Tu as utilisé des costumes des DLC qui sont donnés direct sur PC. Aucune idée, mec. Non, qui sont donnés direct? Tenue. Moi, j'ai pas de tenues qui sont données direct. Hein. J'ai l'ancienne et j'ai celle-là. Pour l'instant, hein, je crois. Pouvoir de tenue, mode de tenue. Gadget. Ouais, alors comme dit lors de l'intro du stream, Malou, je ne sais pas si t'étais là direct, mais je suis tout seul, ma copine n'est pas là, elle est en week-end, elle est en train évidemment de se mettre des timbales. J'ai donc mes deux enfants qui sont à la maison, donc je suis amené à au moins, eh bien évidemment, faire une petite pause si jamais il devait y avoir une alerte... Quoi, délai de 8 échecs, pardon, je parle trop haut. S'il devait y avoir une petite alerte bébé, et également, bon, si ça devait se compliquer, bah mettre un cut au stream. Mais voilà, pour l'instant, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, pas de panique. Pas de panique. Tout en bas, il y en a. Tenue. Ah oui, d'accord. Mais oui, c'est logique, ça t'inquiète. Alors oui, c'est logique, ça c'est clair, on va pas remettre ça en question, mais je reprécise évidemment, pour pas que tu sois surpris si jamais. Donc, putain, mais il y a un milliard de tenues du coup. Oh waouh. Aucun pouvoir de tenue associé. Ah ouais, mais d'accord. C'est beaucoup trop d'informations pour moi, là. Tenue de toile. Oh. Attends. Et pouvoir de tenue, du coup, comment je fais après? Ah, mais j'ai... Ouais, d'accord, j'ai qu'un pouvoir de tenue, en fait. Mais est-ce que la tenue en elle-même... Ah oui, d'accord. Elle a des perks, la tenue. Bon, enfin, vite fait, non? Attends. Non, ça change rien. Défense-attaque, c'est quoi? C'est le récap de mes propres trucs à moi, en fait. Donc là, c'est purement du skin? C'est purement du skin ou quoi? Ouais, c'est juste esthétique. Ok. Il n'y a pas de pouvoir. D'accord. Ok, mais parallèlement, je choisis en fait le pouvoir de mon choix, en fait. C'est ça. Pour l'instant, j'en ai qu'un impliqué, mais en fait, je pourrais avoir ce skin. Et avoir donc le pouvoir initial. Ça c'est quoi celle-là? Elle a un petit peu... Il y a un petit côté... je sais pas exactement, cryptique. Oh, là on dirait quand même un mec chelou. Ouais, un petit cel shading. Là on est goldé. Ok. Après, j'avoue que... Moi, je suis un peu à l'ancienne. Hein. On va rester là-dessus pour le moment. À tous les agents du secteur, rendez-vous dans West Village. Ah. Il se passe un truc. Ils sont où, ils sont? Ces imbéciles vont tuer quelqu'un s'ils continuent. Vous avez braqué une NPC, ligoté son propriétaire et volé son véhicule. Arrêtez immédiatement ce véhicule. Allez, Spider-Man, tous ces moyens se prennent. Mais je suis trop nul ou quoi? Excusez-moi, hein. La remise en jambe, je comprends pas. Je dois faire mon esquive. C'est B pour esquiver, j'appuie sur B. Tu mets le pouvoir de n'importe quelle tenue. J'ai mis celle de Sam Raimi direct.
C'est laquelle? Gadget, tenue. C'est quoi Sam Raimi? Tenue discrète? Hybride? C'est laquelle? Sackman. Ok man. Du coup ils m'ont échappé là les petits bâtards. Les petits bâtards, j'ai pas compris là ce que je devais, ce que j'étais censé faire. Et attends, j'aimerais bien tester mon, mon A boosté là. Vas-y, fais voir. Quand j'ai mon A... Oh merde, je le rate. Attends. On va tester ça par exemple là. Ah oui, déjà j'avais la possibilité de double jump. Et là, par exemple, on va tester ici. Ah, j'arrive pas à le placer. J'arrive pas à le placer, le petit nouveau A que j'ai. C'est où que ça se passe? Ah, mais on retourne encore. Ok. On retourne au bureau, là. C'est elle, celle de toi, là. Oui, d'accord, ok. Donc celle que j'ai mis, du coup. Bon alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça marche comment? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Il arrive quoi là? Yes. Putain, il s'est fait dans le slop le papy là. Mais où vous allez comme ça? Ce site vient d'être classé dangereux. Trop heureux. Arrêtez ça immédiatement. Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. C'est des malades. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé... Norman le pointeur, évidemment. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter. Arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ça. Ça rame du cul un peu ou c'est moi là? Sur le retour stream. Ceci. Mon jeu c'est propre. Est une opportunité à saisir. Les bâtards. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi... Ouais, ça rame un peu. Un autre travail. Ouais, ça va stabiliser. Hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, des professionnels ici, évidemment. L'année prochaine, il y aura un nouveau PC. On verra sur quoi on part. Ok. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Buck. Appeler Harry, peut-être? Lui dire de parler à son père? Non. Bien sûr. Il n'écoute jamais. C'est nous qui choisissons d'appeler les gens, je sais plus. Non, on n'a pas accès à un téléphone portable. Hey, y a une de ces stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Ok.
On va aller voir Doc. On se met un peu dans le bain, on avance un peu l'histoire. Ah ah ah. Merde, pardon, c'est où? Faut que je scanne. Faut que je scanne ou faut que je trouve... Ah merde, j'ai activé le pouvoir comme un teubé. J'ai entendu des tirs là. C'est où, c'est où? C'est où, c'est où? Désolé. Je sais pas. Déso hein, hashtag déso, j'arrive pas à trouver l'intervention. Bon, on va aller voir Doc. J'arrive pas non plus à faire le A là. Attendez hein, je regarde vite fait. C'est quoi que c'est censé faire? Compétences. C'est lequel? C'était appuyez sur A lors du contact avec un point pour effectuer un lancement plus puissant. Ah oui, d'accord, mais ça c'est quand je... Oui, oui, c'est quand je prends un point genre comme ça, un angle. Comment je fais déjà? C'est les deux d'un coup, non? Ouais, ça doit être avec les deux d'un coup. Ah oui, ou les deux comme ça, oui c'est ça, pardon. C'est les deux grandes gâchettes. Ok, 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 c'est bon, j'ai le truc. Ok, nice. Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir pour l'Europe. Salut Peter, j'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais... C'est juste pour faire une vrille au bout du mur. Yes, bah c'est ça. Absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci, mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures? Ouvrez de nouvelles stations de recherche en ville pour gagner d'autres jetons de recherche. Je vais faire ce que je peux pour aider. Ah oui, d'accord. On a des nouveaux trucs à aller farm. Qu'est-ce que c'est que ça? Progression de campagne. Attendez, c'est quoi déjà ces quêtes-là, là? Pardon. On va aller voir tout de suite, hein. Je sais pas si c'est une quête, mais... Attends, et ça, je fais quoi avec ça? Vue d'ensemble, toile dans la brume. Commencez maintenir. Encore une station qui surveille la qualité de l'air et détecte les substances toxiques aux alentours. Super importante pour la ville et ses citoyens, mais certains gros bonnets ne sont pas hyper enthousiastes à l'idée que leurs pratiques polluantes soient dévoilées au grand public. Ok, on va voir ce que c'est. Deux de mes stations contrôlent la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. Comment je dois faire? Je dois passer à travers? Je récupère là ou pas? Non? Pas bien compris. Ah, attends. C'est pas ragoûtant. Ah oui, d'accord. Il va falloir que je traverse ces nuages. Ok, 1 sur 8, là je l'ai eu, ça me l'a validé. J'en ai un juste là-bas. Wow. Nice. On voit ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Ok, oh, il y a un petit hélico de police là. Et voilà. Nice ça. Passer dedans. C'est bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. Ok. J'en ai une là-bas. Je vais aller reprendre celle du milieu après. C'est bon. Elle est où? Elle est où, elle est où? Pourquoi je passe devant sans la voir? Ok, c'est ça.
Okay. Oh, direct, j'ai sniffé un pot d'échappement. Bah, mon cochon. Ok. Bon. Les toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. Ok, c'est où ? On va aller là-bas. Faut que je mette mon tel en silencieux des eaux. Je reçois des messages. Wow ! Waouh, les eaux. Il y a eu un ralentissement complet. En vrai, ça marche peut-être là, non ? Attends, c'est comment déjà pour prendre la photo ? Utilise appareil photo. Ça sert à rien que je sois collé à elle en fait. Mais pourquoi ? Je suis teubé ou quoi ? Sujet non cadré. Ah oui, ok. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Pardon. Ok, il y en a une là. Il y a un truc à faire là. Sympa la lumière sur celle-là. Ok. Le photographe, hein, évidemment. Je l'ai pas eu. Parfait. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire pire un moment de gameplay de la Terre. Ok, nice. 100 d'XP. Jetons de recherche. La station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Un score pourra pas dire que les stations d'Ari ne servent à rien. Stylé. Ok. Bien wesh. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31ème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Y'a eu une mauvaise onde ? En quelque sorte. Un des gardes est allé. Comment je fais mes. Et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé ? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé c'est comme de ça, libérer ça Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse ! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Je peux bon, pas... Je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Quand je suis sur une paroi, là... Peter, j'ai mené l'enquête là, sur je les peux démons. Pas avoir un petit... Si je chope un petit point, non, je peux pas avoir un point. Contrôle. Un vide que j'ai créé en écarton fisc. Jameson avait raison. C'est de ma faute si. Putain, mais grande question, est-ce qu'on peut monter sur un hélico ? Est-ce que vraiment il y a peut-être moyen ? Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville, Norman, couper nos subventions. Oh, Pete, je suis désolé. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. Vous trouverez d'autres financements ? Votre travail a trop d'importance. Merci, MJ. À la prochaine. Herman, ça faisait un bout de temps. Eh, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oh merde, la manette. Oups, on dirait qu'on en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes ? Non ? La garde est pousse alors. Très bien, on va régler ça au point. Non, on peut pas, j'ai déjà essayé. Ok. On peut pas choper les petits points en étant collé à la paroi. Wow ! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait ! À ton service ! Si tu veux te battre, on va se battre ! Ha ! J'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Tu te rappelles notre premier combat ? Ok. J'étais jeune et stupide,
Et toi ? C'est qui part ? Eh bah, totalement stupide. Ok. Non, pas du tout. Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai. Il y a aucune mesure officielle du temps normal. Ok, là il est fatigué, faut que je le bourre. Et ah, mais comment je le rapport idéal de la parole par rapport au silence. En plus, comment je comment le dégagne là ? En mots par minute, en syllabes par seconde. Je pense qu'il faut que j'utilise ça. Attends, ce serait pas plutôt un nombre de mots utilisés pour exprimer une idée ? Désolé, c'est j'essaie complètement de comprendre. Moi, je trouve que certaines personnes parlent pas assez. J'essaie par de comprendre la logique du truc, mais je ne comprends rien. Non, on peut pas, j'ai déjà essayé. Ah, pour les hélicoptères. Et toi ? Les hélicoptères, pardon. Ça, c'est ok. Là, je peux lui faire vraiment mal. Ok. Pourquoi tu fais ça, Herman ? J'ai le truc. Sinon, on esquive. Attention à toi ! Le bâtard. Mais... Super chien. Ok, là après une esquive j'ai le timing. Mais j'ai pas le timing après une esquive sur un tir, c'est ça le truc. Faut que je comprenne. Désolé, hein, faut que je comprenne. Là il fait sa petite tornade. Il est. Oui d'accord, faut vraiment que j'attende ce moment pour le faire. Là je suis late hein, mais. Oh remarque, le gars il attend. Ok, donc c'est juste de la phase esquive. Si tu te rends, je peux t'aider. Juste de la petite phase esquive comme il se faut. Et attendre, attendre sa phase de fatigue. Attends une seconde. Je reviens. Tu te rappelles notre premier combat ? T'es jeune, t'es stupide. Et toi ? Eh bah, seulement stupide. Tu parles trop ! Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai, y'a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal de la parole par rapport au silence ? En plus, comment on mesurerait ? En mots par minute ? En syllabes par seconde ? Attends, ou ce serait pas plutôt en nombre de... Tu te rappelles notre okay. premier combat ? T'es jeune, t'es stupide. Qu'est-ce qui Et toi ? Eh bah, seulement stupide. Tu parles trop ! Ça, c'est ton avis personnel ! C'est vrai ! Y'a aucune okay, mesure là, officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rap ? Ok, là je peux lui faire vraiment mal. Pas mal ça. Petite esquive B est bonne à prendre. Pourquoi tu fais ça, Herman ? Parce que sinon. Ça sert à rien de rester trop proche de lui. Faut que j'ai en focus une cible. Il va faire sa petite tornade. Ah, ok. Tu devrais savoir quand laisser tomber. Jamais il fait son truc là. Faut que j'aille au cac peut-être pour l'énerver. Ah oui. C'est ça. Attrape. Ok, à lui passer dans le dos, ça fait mal hein, je pense. Hein. Si tu te rends, je peux t'aider. Bon, faut que je le provoque au cac. Pour le forcer à envoyer ça, sa petite attaque tornado possible. Là. Ok, ça a pas pris. Si, ça a pris, par contre. On se casse, on se casse. Ok, on va le provoquer. Non, faut que j'essaie autre chose. Il est où, il est où ? Ça, ça va faire mal. Non. Merde. C'est... Les gens vont plus vraiment à la banque. Allez, chais. La chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole. Mais c'est les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends. Oh non ! Oh, sérieux, Herman ? Ok. Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je meurs, je suis mort. Ils ont été très chers là-dessus. Ok, on va voir si y a un autre move. Ok, ça va péter vénère, genre. Ah non. Ah oui, d'accord, faut que je profite de ce moment pour Tiens, lui... Attrape ça avec les dents. Tu m'inquiètes un peu, Herman.
Y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. C'est même pas une question de personnes. Va savoir qui cache tes masques. Attends, t'as bien dit masque? What? Oh non, non, non. Ok, j'ai carrément fait de la merde sur la première séquence, perdu beaucoup trop de vie. Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je pars, je suis mort. Ils ont été très chers là-dessus. M'inquiète un peu, je sais pas si j'ai moyen de lui mettre un dernier hit là. Mais sérieusement là? My bad. Attends, t'as bien dit masque? Putain, ça passe pas. Je fais de la merde. Je sais plus comment je suis. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent? Sérieusement? Oh my bad, hein, je me fais laver le cul, hein. Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je pars, je suis mort. Ils ont été très chers là-dessus. Mmh. Ok. Oh, ça le touche quand même, ça. J'ai pas le temps. Peut-être là j'ai le temps. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas moyen de gratter, hein. Faut vraiment que j'attende ces trucs au cac là. Que j'essaie de me barrer. Ok. Je passe là. Je suis trop lent. Y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. Je suis trop lent pour l'enchaîner là. Ok, petit pouvoir. On va peut-être attendre la P2. T'as bien dit masque? Mais là, je prends ça, quoi. Ok. Le con. Je sais plus comment je suis en l'air. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent? J'en sais rien, ils m'en fichent. Le finition est disparu. Ah là là, ça, je dois simplement l'esquiver en... en faisant le bon saut. C'est chaud, hein. Ok. Oui, c'est juste l'enchaînement, mais comme la caméra est super zoomée. Ok, nice. Tu rêves. T'as pas vu ce que j'ai vu. P3. Ah oui, mais l'abruti. Bah, y'aura pas de P3, hein. Ok, c'est dernière chance de prendre. Cette fois, je vais me fâcher. Arrête de bouger. Mais c'est sérieux, ça? Je mets toutes les esquives. Ok, là, j'ai pas de truc à prendre. C'est où? C'est le truc du dessus? Oh merde, c'était ça. Ok, ok, j'ai capté. Bon, jusque là j'étais gentil, mais là, je rigole plus. Dernière chance. Mais sérieux, je fais mes dashs. Tu esquives, tu envoies des gros débits, okay, tu sapes un peu. Ouais, bah ouais. Cette fois, je vais me fâcher. En fait, c'est simplement que. J'essaie justement
d'alterner ça. Là, je peux faire ça. Ah non, de la merde. Bon, bon, on a le time, on est bien. Il y en a 4 à faire. Ok, j'ai capté. Dernière chance. En soi, le jeu est facile en un sens où, de toute façon, tu tu valides tes P. Ok. Tu valides tes P1, P2. Désolé, Herman. La sentence est tombée. Littéralement. Allez, ça dégage. Terrifié et désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. C'est bon, Yuri. Shocker est tout à vous. Bon travail. On lui a réservé une cellule spéciale au Raft. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons? On dirait un groupe okay. Du Daily Bugle. Hey, GG, merci pour le GG. Tiens, il y a un petit truc de recherche là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est des missions à chaque en fois tout cas, ou... Il paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref. Vous avez eu d'autres signalements de démons de type masqué? Il y en a juste là. Je pourquoi ils me le proposent pas direct ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque? Je doute que ça vous plaît. Ah oui, non, mais ça, c'est le centre. Oh, j'aurais dû... Oui, d'accord. Fuite toxique. Ok. Mon combat contre Shocker a pris du temps. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville. On va se faire un petit truc de recherche. Allez, ça part. On va prendre l'XP, on va prendre les jetons. Salut mon pote. Hello mon pote, salut. Des particules en suspension dans l'air. Il y a sûrement une manière super scientifique pour dire ça, mais en gros, c'est pas bon s'il y en a trop. T'inquiète, t'inquiète. Les relevés sont inquiétants, mais contradictoires. La seule façon de comprendre ce qui se passe, c'est de tester les émissions dans la zone. Mais j'ai d'autres problèmes. L'échantillonneur détecte des particules toxiques. Il faut que je vérifie. Ils ok, ils ok. Vide de vapeur est un bon point de départ. Substance inconnue trouvée. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Oh putain. Je dois l'analyser. Peut-être correspond des motifs. Si les raies d'absorption se superposent, elles forment ensemble une raie d'absorption plus épaisse. Et ça y est, on doit à nouveau aligner les raies, bordel. Très bien. Attends, mais quoi? Ah oui, ça plus ça. GGG. Pas du tout. Pas du tout. Attends. Ouais, mais j'ai pas elle là. Je pense que ça doit être celle-là. Ouais, d'accord. Et là. Ça doit être. Non, pas ça. Peut-être l'autre. Non, c'est pas ça. C'est. Là. Ok, let's go. Du mercure. À autre chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ok, mec. Toute évidence, ce n'est pas limité à un bâtiment. Beaucoup de gens sont en danger. Allez, c'est parti. Bon bah, on va aligner de l'arrêt. Voyons ce que je peux trouver dans cet échantillon. T'inquiète, t'inquiète, on va aligner de l'arrêt, mon ami. Alors, voyons voir. Pourquoi ils sont en mode chelou Bizarre. Il manque celle-là. Ah ouais, mais attends. Ah d'accord. Attends. Faut que je réfléchisse, mais... Parce que, en gros, celle-là... Ah non, elle est là, en fait.
Mais là, je suis trop gros. Oh putain. Attends. Ça, c'est ok. Et là, j'ai lesquels? Mais non, c'est pas celle-là qu'il faut que j'annule. C'est celle-là. Mais non, pas celle-là. Et celle-là, je la mets déjà là. Ok. C'est ça, quelque chose? Bah non. Mais attends, c'est celle-là. Oh, mais quel génie. Évidemment, hein. Dans le gros gameplay. Il y a de l'acide nitrique. Et aussi un autre ingrédient. Je suis sur la bonne voie. Il faut juste suivre la piste. T'inquiète, on va la suivre la piste. C'est plus étendu que je le pensais. C'est tout le quartier qui est menacé. Eh ouais, mon gars. Putain, les mecs, les petits bâtards. Les petits crasseux. Heureusement qu'on est fort en alignage de ré. Ouh. Ça sent pas la rose. Voyons ce qu'il y a dedans. Ça, je dis oui. Et j'ai envie de supprimer. Attends. Je peux pas supprimer celle tout au bout. Ça marche, ça? Non, ça marche pas. Ok. C'est ça. Non, ça marche pas. C'est quoi alors? Putain, c'est chaudard, hein. Attends. Là, je veux avoir tout. Je veux pas ces deux-là, de toute façon. J'ai pas moyen de supprimer. Ça, il me faudrait quoi? Je supprime celle-là. Mais non, il m'en manque encore un. C'est chaud, ça. Attends, mais je suis teubé, hein. En gros, j'ai celle-là que je peux placer, mais celle-là, en vrai, c'est une baisse parce que... Celui-là est bon. Admettons que je veuille faire lui. Il faudrait que je puisse supprimer les deux du bas, mais je ne peux pas. Donc clairement, lui, il va aller là. Lui, il va se doubler. Ah ben voilà, ok, c'est ça. Et maintenant, c'est lui qu'on va dégager. Ok, nice. De l'éthanol. Pourquoi ça me semble toujours plus. Toujours plus. C'est contre nature. De l'éthanol. Pourquoi ça me dit quelque chose? Du mercure, de l'azote et de l'éthanol. Faut que je retrouve la piste. Ce sera fini, j'alerterai le service de santé publique pour qu'ils préviennent les résidents. Tu m'étonnes, ils veulent nous faire péter le caisson, là. Ah non, chiant, ça. Oh, c'est beau, là. Je crois que j'ai trouvé le problème. Les petits bâtards. Il faut que je nettoie le site rapidement. Le béton contient du calcium et du silicone. Idéal pour tout absorber. Bon, il va falloir que je fasse des dégâts pour réparer ces dégâts. Un de moi. Il faut pas que je respire. Wow. C'est où la zone là? Un ou deux bidons. Ils ont pas d'objet pour... Ok, c'est eux.
My bad, hein, je fais nimp. Excusez-moi. Ce bâtiment est très casse-couille puisque... Putain, j'arrive pas à me... Pour jeter un sac de béton. Ouais, ça on avait compris. Le dernier. Oh la gerbante. Ok, attendez. Un de moi. Encore un ou deux bidons. Le dernier. Ça y est. Sceller la grille avec ma toile, ça devrait éviter toute fuite supplémentaire. Ah non, pardon, c'est RB. Allez, go. Ça aurait pu être bien pire. La station de recherche d'Harry vient de prouver qu'elle devait rester ouverte. Allez, nice. Les petits 100 d'XP, on prend, c'est magnifique. Oh là là, hey, merci. J'ai jeté un œil à ce qu'on avait sur des... Merci la vie. J'étais sûr que vous changeriez d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de Fisk. Ils s'en prennent à Fisk. Ah, c'est une mission annexe qui est là. Vous savez ce que ça veut dire? Une guerre des gangs à prévoir? On va essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des biens de fils qui n'ont pas encore été attaqués? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ces chantiers navals sur le port. Merci, Yuri. Je vais jeter un œil. Ok. Hey, Yuri! Ce chantier naval, vous savez à quoi il sert? Aucune idée. Je vais envoyer un agent. Je me souviens plus, c'est qui elle? C'est une... Jefferson Davis. Capitaine de c'est police. Un bon flic. Il bosse sur le dossier Fisk depuis des années. Si quelqu'un sait ce qui se passe là-bas, c'est bien lui. Tout va bien, madame? Tout va bien, madame? Oui, je vais bien. Ma petite c'est mon dame. Mari, Rodrigo. Il se comportait bizarrement et je viens d'apprendre qu'il voit une femme. Oh, non. Je suis pas le mieux placé pour gérer les problèmes de couple. Ok, let's go. C'est pas ça. Je crois qu'elle est liée à de mauvaises personnes et que Rodrigo est en danger. Il a peur, mais il refuse de me parler. Je peux aller jeter un œil. Ouais. Vous savez quand il est censé la retrouver? Ce soir, vers le centre de désintox à Greenwich. C'est noté. Ne vous en faites pas, Carmen. J'irai voir ce qui se passe. Ok. Le centre de désintox est pas loin. Carmen m'a envoyé une photo de Rodrigo. Voyons s'il est dans le coin. Une photo de Rodrigo. Dédicace à Rodrigo, évidemment. Clé barre de Loulou. Là, c'est Rodrigo. Il a l'air nerveux. Cette femme me semble pas être sa maîtresse. Il a pas l'air commode, celui-là. Je vais la prendre en photo. Peut-être que Carmen la reconnaîtra. J'espère que t'essaies pas de rouler. Pourquoi je ferais ça? Si cette image... Mauvais angle, je devrais me mettre en face. Je vois le genre. Parfait. Sujet trop éloigné. Je vais me faire voir, là. La meuf, elle voit rien, genre. Intéressant. Ok. Pile ce qu'il me fallait. C'est bon. Oublie pas. Parle de ça à qui que ce soit et je publie la photo. Saloperie, va. Des plans? C'est peut-être plus grave que je le pensais. Je ferais mieux de suivre notre maître chanteur pour en savoir plus. Carmen, je vous envoie une photo. Cette personne vous dit quelque chose? Hmm. Non. Je l'ai jamais vu.
De quoi est-ce qu'il parlait? Je crois qu'elle le fait chanter. Elle a mentionné des plans. Mon mari travaille à la sécurité d'un casino à Atlantic City. Elle organise peut-être un cambriolage. Mais il faut plus de preuves avant de pouvoir agir. Dites-moi si je peux vous aider. Très bien. Je vais la suivre et voir ce qu'elle fait des plans. Je vous rappelle. Ok. Une autre victime? Ou bien un complice? Il me faut une photo. Aucun perchoir avec un bon angle pour lui, là. Nouveau. Je vais devoir me placer sous la eyeline. Quoi? Hey, ton ami, du temps. Tu les as? Attends. Ouais. Dès qu'il a vu la photo, il a flippé. Rico a jamais eu de cran. À quoi je dois me prendre? À ça? Oh, les blancs. D'accord. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Viser le plafond. Attends. Ah oui, d'accord. Il y a des endroits précis où je peux le faire, je comprends pas. Là, il y a un angle mort. Ok. Spider-Man, lâche pas la paire. Ça me paraît pas mal. L'autre, il me voit dans la rue. Je t'ai eu. Bon, j'ai un train à prendre. Je voudrais pas faire attendre le patron. Ce soir, ce sera notre plus grand train. Tu m'étonnes. Mais combien de personnes sont impliquées? Il faut que je le suive. Faites pas gaffe à moi. Non, il va me repérer. Je dois le suivre loin du sol. Où est-ce qu'il va? Si je me connecte au système du réseau, je devrais obtenir l'itinéraire du train. Attends, mais c'est où qu'on se connecte aussi au truc du réseau? Ok, ok. Carmen, le maître chanteur a rencontré un homme sous la highline. Très stylé ça. Il avait l'air de connaître votre mari. Je vous envoie sa photo. Très stylé. C'était Sean, le meilleur ami de Rodrigo à l'université. Oh, le bâtard. Il y a quelques temps pour Paul. Il a les plans d'un casino et un casier judiciaire. C'est pas le meilleur combo. Combo. Pour découvrir qui d'autre est impliqué. S'ils visent le casino, il leur faudra au moins un chauffeur et un perceur de coffre. Je regarde pas mal de films de braquage. Eh, hey, je vois ça. Je vous tiens au courant de ce que je trouve. C'est une ligne express? Je dois pas perdre ce train de vue. Tranquille, tranquille, on le suit sur une parallèle. Je fais peut-être un peu le con là. C'est le terminus. Je devrais me poster à la sortie du métro et attendre qu'il sorte. Ok. Très propre. Il se dirige vers cet immeuble de bureau. Ok, pratique. Devant la... Il monte. Monte pas vite l'ascenseur, hein. Il s'est arrêté. Oh. Patron, j'ai les plans. Parfait. Je vérifie le planning sur l'écran. J'ai mis nos hommes au tableau. Marque leur position sur la carte. Vous avez pris Roman comme chauffeur. Mais c'est qu'un gamin. Ouais, le gamin de mon frère. Il est réglo. De toute façon, il est déjà parti chercher une personne. Nice. Ok, Roman est prêt et on est à la bourre. Regardez. Ils se mettent en mouvement. Ça part sur le braco. Toutes les preuves qu'il me faut. J'ai plus qu'à arrêter leur voiture. Allez, ça part. Là, je prends pas un boost de ouf avec ça.
Là, je peux prendre la première. Qu'est-ce que c'est ? Spider-Man ! Ok. Bata. Propre ça. Ok, je peux me faire le conducteur. Ok, il y a l'autre derrière. Nice ça. Ça part. J'adore quand un plan se déroule sans escroc. Hey Carmen, le voyage à Atlantic City du copain de votre mari et de son équipe vient d'être annulé. Stylé hein, la petite quête annexe là. J'ai parlé à Rodrigo. La photo du chantage le montrait au volant la nuit où Deshaun a commis le vol. Mais Rodrigo ne savait rien, il pensait simplement déposer un ami. Vous inquiétez pas, j'ai une amie dans la police. Elle aidera Rodrigo. Surtout s'il accepte de témoigner pour le chantage. Oh, petit Central Park là. Il le fera, vous en faites pas. Ou il apprendra qu'il a plus à craindre de moi que de Deshaun. Ça donne quoi dans l'eau ? Spider-Man. 1500 d'XP. Ah ouais. Pardon, je suis de retour. Je vais au chantier naval. Fisk, vous savez ce qu'il fait là-bas ? Aucune idée. Je vais envoyer un agent sur place pour vous aider. Mm-hmm. Il s'appelle Jefferson Davis. C'est un bon flic. Il bosse sur le dossier Fisk depuis des années. Si quelqu'un sait ce qui se passe là-bas, c'est bien lui. Ok, du coup... Ça nous débloque quand même la suite de la quête annexe. Spider Sosie. Ah non, ça c'est autre chose. À l'assaut du château. Ouais. C'était quoi déjà ça? Ah oui, mais ça je l'ai fait ça non j'ai... Ouais, c'est juste que j'ai pas réussi les trucs bonus, mais je l'avais fait. Ok, ok. Allez, on va avancer là-dessus. C'est quoi tous ces méchants? T'as laissé un message ? Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle, pourvu que ce soit une bonne piste. Non, ne me regardez pas. Je vous avais jamais vu de si près. Capitaine, je suis sur un chantier de piste. Leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade ? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Tiens, coûte-moi ça ! Je vais me marrer ! Ok. Fumez-le. Nice, c'est ça. Propre ça. Bon, nice. Entourez-le. Dégagez-le. Avec ça, tu vas. Ok. Ils sont nombreux encore. Il est en train de lâcher. C'est vraiment pas qu'on joue. À ta place, fuyez. Propre. Comment il a fait ça ? On t'aura mort aussi. Nice.
Belle ça. À ta place, on fuirait. Ok, vague 3. Ah, je regrette, mais l'offre avec un donut gratuit vient d'expirer. Le boss en a ras-le-bol. Ouf. Et moi aussi. Bonjour du boss. C'est quoi ça? Nice. C'est tellement propre là. Il est à moi. C'est parfait la petite esquive parfaite qui envoie la toile dans la gueule là. C'est tellement fort. Bon, calmez-vous. La période des soldes, c'est pas avant début janvier. Par contre là. Spider-Man, ils ont réceptionné assez de ciment sur ce chantier pour construire deux gratte-ciel. Attendez, je vais deviner. Ils cachent de la drogue dans les sacs de ciment? Je crois bien. On aura besoin d'un motif valable pour accéder au chantier et... Bah, je me mets dans la greue. Quel con. C'est chaud, là. C'est la merde, ça. Ouah, c'est chaud. Ah oui. Putain, c'est chaud. Il y en a plus, il y en a encore. Poussez pas, tout le monde aura son câlin. C'est très chaud. Waouh. Très chaud mais très jouissif. Tu vas la fermer définitivement. Ça va faire. Comment il fait ça? Des renforts. Je vous préviens. Je mets mes toiles où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Oh oui, dans la gueule. C'est vraiment pas ton jour. Mais quelle vie crade. Wow, c'est dur ça. Non, dommage. Là, je reprends à la vague où j'en étais, non? Je sais plus. Ah ouais. Oh les bâtards. Attends, mais c'est quoi que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire un camp quoi. Je le vois même pas d'afficher sur ma map. Ok. Allez, on se la refait. Mais par contre, vas-y, ça m'a fatigué le bras. Les rumeurs, Osborn regrettera bientôt d'avoir oublié qu'ils étaient amis. Les gars, Spider-Man pourrait débarquer. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire, propriété privée? Oh non, je la prends. Je voulais me TP sur celui du fond. Devant, je t'inquiète. Spider-Man. C'est vrai,
Ok. Le bâtard. Comment on peut lutter contre ça? Je vais te défoncer le crâne. Faut que j'essaye de faire vraiment que des esquives. Y'en a d'autres? Ah, je regrette. Mais l'offre avec un domaine gratuit vient d'expirer. Je crois que c'est ça, hein, ça me se marque en bleu quand je peux faire l'esquive parfaite. Je suis quoi? Je suis toujours vague 1 là? Vague 2? Ça m'a remis direct. Ça va calmer. Wow, calmez-vous. La période des soldes, c'est pas avant début janvier. Ok. Spider-Man, ils ont réceptionné. On va rusher les casse-couilles du fond. Hein. Gratte-ciel. Attendez, je vais deviner. Ils cachent de la drogue dans les sacs de ciment? Je crois bien. On aura besoin d'un motif valable pour accéder au chantier et confirmer tout ça. M'en occupe. Wow. Je vais te faire sauter la cervelle. Non. Je vais te défoncer, crack. Dégagez de là. Tiens, coûte-moi ça. Quand y'en a plus, y'en a encore. Poussez pas, tout le monde aura son. Ouais, je le récupère derrière, ça, c'est propre. C'est vraiment pas ton jour. On va pas toujours rester là-haut. Tu vas faire avancer. C'est pas fair play. Suffit. Chopez-le. Nice, la petite esquive là. Ok. Oh nice, je l'ai envoyé dans l'Old Man. Des renforts, je vous préviens. Dernière vague. Je mets l'étoile où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Je peux jamais prendre ça. Attendez. Je vais attendre de voir clair. Savoir quelle cible j'ai envie de OS là. Soit un bouclier, soit celui-là. Je prends un bouclier. Pouah. Je vais te faire sauter la tête. Tu vas la fermer définitivement. Comment il a fait ça? Ah non. Essayez d'éviter ces gadgets. Nice. Ok, c'est propre. Capitaine, les hommes de Fisk et tous les motifs valables dont vous aurez besoin vous attendent bien sagement. Bravo. Fisk croit tout pouvoir gérer depuis sa cellule, mais il va se rendre compte que les relations à distance sont souvent vouées à l'échec. Mmh. Silencieuse dans ces 10 objets. Ouais, ça va. Ok. On a un petit point de dispo. Saisir et maintenir Y en étant dans les airs pour attirer vos ennemis vers vous en utilisant une tactique de combat. Ouais. Et ça, on avait le coup parfait. Ça me paraît pas mal, hein. Ok, nice.
Allez, on y va, on va avancer là-dessus. Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi! Les démons s'en prennent à toutes nos planques! On en a déjà perdu deux cette nuit. Le boss est peut-être en tôle, mais personne touche contrôle à ses affaires! Aigle 2, tout va bien? Aigle 2 au rapport. RAS. Quel genre de planque cherchent les démons? Il faut que je neutralise les âmes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celles des démons. Il y a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Ok. Je peux pas faire une petite élimination. Je m'ennuie. Beaucoup de détritus par ici. Un peu de toile lancée au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. C'est Spider-Man qui a fait ça. Ce sniper est protégé par un garde. Je ferais mieux de les séparer pour m'en débarrasser. Chercher la diversion. Ouais, la diversion, c'est ces trucs-là, là. Ah oui, c'est ça, en lançant des trucs. C'était quoi ? Merde. Ce chantier naval est très chantier. Coucou, je baignais. Il reste tout un tas de pièges de... Ça fait aller plus. Ok. Vous avez fini de tout pointer ? Ah, bon, bon. Ces vieilles cartes, c'est un vrai castel. C'est comme... Allez, c'est comme lire des hiéroglyphes. Alors, mets le turbo. Ah, tu l'as pas vu venir, celle-là. Ok, y a plus que lui ou... Ça a l'air d'être le dernier. Magnifique. Quoi ? Mais... Il est où ce bâtard ? Pourquoi j'arrive pas à le... Je suis obligé de passer devant lui ? Mais... Désolé hein, mais c'est super chiant, j'arrive pas... Ok. Ok. Ça c'est bon. Ils sont deux. Et on peut peut-être se le faire en solo là. Non. Oh oui, elle est belle elle. On t'aura mort. Qui n'a pas de préférence. Ok, propre ça. Nice. On est trop nombreux pour lui. Hop ça. Il a le temps de m'en mettre une petite bastos.
Ok. Ça, j'avais pas besoin de la placer. Ok. C'est propre. Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Bien sûr. Jetez un œil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, je suis pas Spider-Man. C'est où derrière? Trouve un moyen d'entrer. Mmh. Ah, attends. Qu'est-ce que c'était que ça, là? Bon. L'avant est bien verrouillé, mais je suis sûr que le reste l'est beaucoup moins. C'est quoi l'arrière pour eux? J'ai cru voir un truc par là. Ça, c'est le truc clignotant, sérieux? Ça, oui, d'accord, c'est bien ça. Ok, nice. On se croirait dans un film d'horreur. Mm-hmm. Retrouver face stylé à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Bon, où est cette porte verrouillée? Jeff, vous êtes là? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte? Ouais, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. Le mec, il me sort ça de... son fiac. Les pistolets paralysants vous permettent désormais de fabriquer des toiles électriques. Appuyez sur A. Maintenez A pour fabriquer une toile électrique. Ok. Très lourd ça. C'est un gadget. Et alors, est-ce qu'il faut que je le... mode de tenue? Jeton de crime. Ah oui, d'accord. Attaquer avec un gadget génère de la concentration. Réduit les dégâts causés par les attaques de mêlée. Cela, je les ai. Achat possible. Ah oui, d'accord. Augmente l'XP reçu en battant les ennemis. Attends, ça coûte combien ça? Ouah, ça coûte cher en jeton de crime par contre. Les esquives parfaites augmentent temporairement la puissance de vos coups. Boah. Beaucoup trop stylé. On va regarder cela. Attaque en toile. Les attaques avec une toile génèrent plus de concentration. En mode furtif, les ennemis vous détectent plus lentement. Réduit les dégâts infligés par les balles. Les coups de grâce génèrent des recharges de gadgets additionnels. Génèrent plus rapidement de la concentration. Réduit l'impact des grenades étourdissantes. Ça, on s'en fout. Ça, c'était propre quand même. Ouais, ça on s'en fout. Attaquer avec un gadget génère de la concentration.
par les balles, c'est propre hein, quand même. Hein. Les attaques de mêlée. Je prends peu d'attaques de mêlée, c'est les dégâts par bastos qui me font chier. Hein. Ok, j'ai le nouveau dans les tenues, c'est où? Ah. On négative, synchronise les nanoparticules du maillage pour libérer une puissante onde d'énergie négative. Synchronise les nanoparticules du maillage pour libérer une puissante onde d'énergie négative. Ouais. Course à l'armement, libère une charge d'énergie électromagnétique étourdissant les ennemis en désactivant leur arme. Ok, un blindage. Les ennemis en alerte n'appellent plus de renfort. Ok, onde négative, pourquoi pas essayer en vrai. Appelle un speeder compagnon pour vous aider en combat. Ah, ça peut être drôle. Ouais. Ok. Bon. Attends, je dois faire comment déjà? Je dois rester appuyé sur... Ah non. Oui, non, d'accord. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre... Comment on a envie d'éclater le gamin qui te démonte ta télé, hein? Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez, vous trouvez pas que ça sonne creux? Un peu, hein, quand même. Hein. Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Voyons si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. C'est là-bas. Ça a marché? Non, ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchez encore. C'est pas bon là? Il y en a une en haut, c'est ça? Ok. Merci. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir. Eh merci. Je l'aurais sans doute pas trouvé sans vous. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Faut ne remarquer rien par terre. Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Chercher d'autres marques. Bien sûr. Maintenant que je sais ce que je cherche, je devrais refaire le tour des lieux. Non. Là-bas, je pense. Non, il n'y a pas l'air. Si. Jackpot! Des marques, pas de porte. Du moins, j'en vois pas. Super. J'arrive. Ou pas. L'ascenseur est à chaise. Bougez pas, je vous fais monter. Je
premier étage, engrenage rouillé et gros rat des deux. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Bravo, belle réception et tout. On n'est pas tous des gouffres à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est en cours. Mmh. Ok, il y en a une tout là-haut. J'en ai une. Attends, mais je l'ai eu ou pas? Attends. Je pense que je l'ai eu, ouais. Y'en a pas une autre? Ça, c'en est une aussi. Mmh, ouais. Attends, comment on choisit les... toile électrique. Ça s'est ouvert ? Non. Cette porte doit être reliée à une autre boîte. Ok, attends, j'étais pas sur le bon truc là. Dans le mille ! J'étais pas sur la bonne arme. Ça ? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de fisc parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin ? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Oui. Si j'ai trouvé. Il faut que je fasse descendre l'ascenseur avant. Monter. Là. Bien vu, Jeff. Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. Yep. Attendez, j'arrive. Deux secondes. Oh, ok, ça arrive. Let's go. 1, 2, 3. Hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Ok. Comment je passe là? Faut que je fasse demi-tour. Attends.
malade, lui. Qu'est-ce que je dois faire, là? Ah, j'en ai marre d'être teubé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'en haut? Moi, je comprends pas. Attends, il repère un truc, là, un moment? Non, c'est juste ça. Il y a un bloc de béton qui le fait chier. Mec, je suis désolé. Ah oui, d'accord, pardon. Oh là là. Je peux passer par ici. Bougez pas. Okay. C'était quoi, ça? Le métro, peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Right, right, right. Ok, ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte, vite! Ok, j'arrive, mon gars, j'arrive. Allez, dépêchez! Ok, ok. Nice. C'est pas vrai! Les démons sont déjà c'est passés! Pas vrai. Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, il fait si chaud, j'ai mangé un gros tacos là. Où ça l'était. La pire erreur. Le matériel non létal les intéressait pas. Ils ont laissé les fumigènes, les grenades aveuglantes, les recharges électriques. Apparemment, ils ont pas perdu de temps. Ok. Il y a des caisses vides ici. Et ils ont apparemment emporté les autres. Ils n'ont pas touché à cette salle derrière le grillage. Ça demandait trop d'efforts. Ils ont préféré... Là ! Ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Oh, les bâtards. Chut ! Des démons. Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez ! Police! Stoppez les camions! Nous arrête! Sergeant Harmon! À couvert! Hé! Hey, bien joué! Fais seulement mon boulot! Attention! Je tire! Écartez-vous! Ah bonjour la frime! Ouais, c'est pas moi qui esquive les balles. Nice. Je recharge! Je vais paralyser! Derrière vous! Je suis presque impressionné! Et vous avez pas tout vu. Attention, je le neutralise! Je pensais qu'il l'avait fumé. Merci, c'est pas de refus! Hop! Vous êtes l'homme qui tombe à pic! Nice! Propre ça! Moi non plus, je suis pas tout seul! On va laisser faire les mecs au fond là! Je tire! Écartez-vous! Où on en est? Je crois qu'on domine! Je vais paralyser. Très propre, ça. Attention, je le neutralise. S'en bas. Quoi? Stop. Ça va? Partez. Je vous rattrape. Stylé. Si je perds deux camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. Non.
Oh le con. Spider-Man, je suis retenu au chantier par des démons. Comment ça se passe pour vous? Pas beaucoup mieux. Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Je vous rejoins dès que je peux, mais je vous promets rien. Soyez prudent, Jeff. Ne prenez pas de risques. Ah putain, à chaque fois que je raterai au sol, je perds toute ma speed. Mais non. Putain, c'est vraiment tête chercheuse ou quoi? Si ça continue, ils vont tuer des piétons. Il faut que je me rapproche. Salut! Il reste une petite place? Terminus! Ça faisait longtemps! Attends, ah oh merde, je prends pas le bon truc. Je suis un teubé. Je prends pas le bon QTE. La ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure. Le sport. Oh putain. Nice. Le héros. Ça va partir sur les réseaux sociaux, ça. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles. Ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances? Agent Davis, Mary Jane Watson du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. Ah, je suis crevé. Ok. Il est temps de rentrer et de dormir un peu. Petit niveau. Ça part, on prend. Voyage rapide. Attends, mais pour l'instant, je suis obligé de faire ça? Alors, stylé. Attends, mais c'est quoi? C'est notre petit toit, ça? À toutes les unités, on nous signale un vol de véhicules blindés. Convergez vers East Village. Les démons passent au niveau supérieur. Y'a des moyens plus faciles de se faire des sous, les gars. Moins dégradant pour la ville aussi. Ça commence à être chaud, la guerre des gangs entre Kirk et les démons.
Je sais. Même Shocker y participe. Il se retrouve à faire des petits boulots pour les démons. Ne plaisante pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer Fisk? Rien que ça, ce serait déjà moche. Alors pourvu que ça s'arrête là. Non, le con. Non. On dirait que les démons cherchent un sacré financement. Ok. On a notre petite maison. Carrément, on se fait virer de chez nous, quoi. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne? Oui, un instant. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grant. Super, merci Eddie. Garage municipal, Bowery et Grant. Pas de problème. Ok. Tant pis si je perds tout le reste. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disc. Les bâtards, ils ont pris mon matos, déjà. De trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. Ça va le faire, mon gars. C'est pas possible. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Merde. Mauvais move. Nice, ça. Et bien sûr, c'est fermé. Au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Mais il y a peut-être un autre accès. Ok, là il y a des trucs. C'est quoi, c'est sur le côté ça? C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. Si? C'est où? C'est là. Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Nada. Oh. Ok, là je panique. Putain, trop le seum. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Désolé. Est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super. J'y vais direct. Chinatown West. Let's go. Hey, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah,
Hey, non, ça commence par un L, je crois. Larry ? Larry, c'est dans les sides. Léo ! Je crois que je vois les camions. Merci, Eddie. Ok, les camions doivent pas être loin. Non, c'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Non, là-bas. J'espérais que vous étiez... Aucun signe de mes affaires. Oh, et quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici? Bah les gars, on peut être changé d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Ok. Donc ramène notre disque. Il en est évidemment hors de question. Des mois et des années de travail. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hop là. Il me manque le petit truc pour décoller du sol. Voilà l'incinérateur. J'espère que j'arrive à temps. Oh oh, ça sent les ennuis. Au secours! Nice. Merci, Speed. Vous allez bien? Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu? Pour des trucs perso? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Il y a quelque chose ici. Je dois me débarrasser de ces sacs. Je crois que c'est ça. Allez, sois ici, sois ici. Oui. J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Je crois que je peux le faire marcher. Vous pouvez maintenant fabriquer des bombes de toile. Ok. Explosif de proximité qui entoile instantanément les ennemis qu'il déclenche. D'accord. Ah, c'est propre ça. Vous pouvez maintenant fabriquer des bombes de toile. Attends. C'est dans les gadgets. Attends, et comment j'équipe mes gadgets du coup? Ça y est! C'est équipé de base? Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le! Attends. Bombe de toile. Ok. Nice. Bon, cette nuit se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. Ok. Spider-Man par ici, oui. Ok. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Alors, voyons. Salut MJ, c'est Peter. Je crois que je pourrais dormir chez toi ce soir. Oh, non, c'est trop formel. MJ!
Eh, je passais dans le quartier et... Oh non, c'est mieux. Ok. Eh, hey, MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire? Ouais, c'est bon, on va chez elle, mais tranquille. Amie, non? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. Te kiffe, mec, c'est pas bizarre arrête. Du tout. C'est qu'un canapé. Le canapé d'MJ. Oh, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Propre ça. J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Ok, 2500 d'XP, ça part. Quelqu'un m'a laissé un message. Le numéro est masqué. Coucou Spidey, ça faisait longtemps. Je t'ai manqué? Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh non, je connais cette voix. C'est qui celle-là? Ok, on va aller voir ça tout de suite. Unité, bande de drogue signalée, demande okay, l'intervention d'un agent. Rendez-vous dans le nord d'Houston, terminé. J'ai mon mot à dire sur le désaccès en costume qui a complètement ravagé. Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher ouais, nice, les criminels ça. De dealer. La police arrive, alors je m'éclipse. C'est beau, là. On est bien tous les deux, non? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Elle veut que je trouve quelque chose. Mais quoi? Là! C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Félicia est trop futée pour se mettre en danger. Terminer comme ça. Les planques de Black Cat en ville pour découvrir avoir le des mystère problèmes. De Black Cat. Mieux vaut rester vigilant. Ok, ok. Celle-là, je l'ai déjà faite. Objet à collectionner. Non, je pense pas. Dites, Yuri!
Le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle décellée ? Je crois, oui. Pourquoi ? Elle a renfilé ? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ces affaires sont toujours chez vous ? Pas de problème. Salut, May. T'appelles tard ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Ah, c'est vrai. Encore une caméra. Sûrement Black Cat. Ah, désolé, tante May. Putain, je pensais que je pouvais continuer le petit appel dans le plus grand des calmes. Jaloux que j'en visite un autre homme ? J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. Ok. Pourquoi tu fais ça, Félicia ? Tu sais que je vais finir par t'attraper. On en était où ? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Ah, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Ah, je suis désolé, tante. Oh, Peter. Je suis désolé. Je suis désolé, tati. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi ? Et tu as un endroit où dormir cette nuit ? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge ? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, tante May. Ok. On tente pas d'aller voir la petite meuf quand même, sinon ? Allez. Oh oui, cette petite musique. Oh oh oh. Tu vas me dire que ça, je peux pas m'accrocher à lui. Qu'est-ce qui se passe là ? Les démons ne se cachent plus. Ils attaquent la police en pleine rue maintenant. Les gars, le coup de la destruction de New York, on l'a déjà fait. Les gens n'ont pas l'air de se calmer. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? J'aurais pu tenter de me coller à l'hélico, mais il s'est posé, je pense. J'ai l'impression qu'il s'est posé. J'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. J'avoue. C'est où son bureau ? Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit ? C'est qui me parle là ? Eh, tu vas te taire, oui ! C'est un malade, lui. C'est où, c'est à l'étage ? Je croyais que t'étais au lit. J'aimerais bien. Comment on monte ? Par là ? Putain, c'est fat, hein ? C'est très fat comme bâtiment. En tout cas, il y a du monde, hein. C'est un aéroport, le bordel. Oh, j'ai eu un petit souci avec mon appartement. T'es à la rue, c'est ça ? Je connais ce regard. T'es au bon endroit, t'as pas à avoir honte. Je sais, c'est juste que ça me gêne de prendre des ressources aux gens dans le besoin. Tu sais quoi ? En ce moment, c'est toi qu'on a besoin. Vous n'avez pas tort. Merci, Gloria. Ok, merci Gloria. J'espère que le canapé est confortable. Tu me manques. Hmm.
Ok. Petite nuit sur le canapé, ça va. Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Il n'y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. J'espère que Monsieur Lee va bien. On l'espère tous. Allô? Hé, hey, t'as vu mon article? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi? Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis, cet après-midi. Wow. Eh hey, mais, le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cet après... Ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure. Quitter le refuge. Où est Montel là-dedans? Ok. Oh, c'est trop humiliant d'accepter l'argent de tante May. Il y a une petite quête annexe juste là. Essayer d'aider mon prochain. Quelle est là? Il y a un truc de 4 aussi juste là. On va commencer par ça. Encore une caméra. La cat a l'air de bien s'en sortir. J'avoue, oh, la meuf. Oh, pauvre Spidey. Je sais que je t'ai déçu quand elle plante des caméras partout. C'était dommage de gâcher un tel talent. Trop chiant. Faut attendre que ça vibre en fait. En fait. Sauf que ça ne vibre pas. Ok. Salut chaton. Je dirais qu'ils vendent des vins d'exception ici. Elles se diversifient. Il faut que j'essaie de prendre une longueur d'avance. Demande de renfort pour une course poursuite. Bon ça je le ferai, je fermerai peut-être probablement en off hein, les trucs message de des 4. Peter, sans vouloir nous... Howard. Ça faisait un bail. Comment va Pidgey? Il n'est pas en forme. Ses cousins lui manquent. Ça a été un peu la folie pour nous deux. Mes proprios ont transformé l'immeuble en local commercial. Alors on a dû se reloger au centre Fist, le temps de se retourner. T'as le centre Fist, on a du mal à s'y faire quand même. C'est vrai que les proprios new-yorkais sont parfois sans pitié. Quand ils m'ont viré de chez moi, ils ont relâché tous mes oiseaux. Pidgey est le seul qui m'a retrouvé. J'ai cherché les autres partout où j'ai pu, mais... avec ma jambe qui me fait mal. Vous savez quoi? Je bouge pas mal dans le coin. Vous voulez que je regarde si je les vois? Oh putain, encore un truc à farm. Et oui, tous les pigeons. Vous feriez ça? Ah ouais mon gars, je vais faire ça, t'inquiète pas. J'ai vraiment si que ça à faire. Si vous en croisez un, vous pouvez m'appeler?
Jeff. Félicitations pour la cérémonie. J'ai hâte que tout soit terminé. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Pas de neuf? Il paraît que des démons s'agitent du côté du chantier de Fisk dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour aller jouer aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris, j'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Enfin, sauf Osborne. Oh, en fait, laissez tomber. Ok. Ok. Je devrais finir d'écouter le message du doc. Peter, sans vouloir nous porter la poisse, non seulement ma piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard. Même Norman qui nous coupe les vivres. J'espère vraiment que ça va marcher. Le travail de Doc est trop important pour passer à la trappe. Ok. Qu'est-ce que je veux faire encore là? Pompe solide et T-Chipping. Jeff, j'y suis. Qu'est-ce que vous voyez? Trouvez les autres. Le chef veut pas de survivants. On dirait que les démons s'installent sur le territoire de Fisk. Vous pouvez gérer? Ouais, je m'en occupe. Ok, je reviens. Ok. Ok, on a un spider machin direct. Yo, les dodos. Panier. Tu l'as pas vu venir celle-là. Ok. Vous avez ce que vous vouliez. C'est pas la peine de nous tuer. Le territoire de Fisk est à nous désormais. Pas encore. Wow. Hop. Alors aujourd'hui c'est la sortie de... Wow. C'est la sortie des serveurs hardcore sur WoW en serveur officiel. Il y a un monde où je me tente une petite aventure. Yo Wooly. Toi,
Super la combi, ça t'amincit. Ne te mêle pas de mes affaires. Attends, les démons, qui est leur chef? Protège mes hommes et je te dirai peut-être. Je vais devoir sauver des méchants d'autres méchants. Okay. Alors celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Non, non, n'approchez pas! Oh, je comprends pas, ils sont où ces bâtards? Mais what? Ok. Restez là, vous deux. Attendez la police. C'est là-haut, là au-dessus. Là, il y en a un. Ce qu'il y a, c'est que je suis censé sauver des mecs. Ah oui, en fait, faut que je clear les passerelles, quoi. Wow. Là, j'ai toute leur attention. Je devrais faire le tour de l'extérieur pour trouver les hommes de Fisk. Les survivants. Cet hélico. Ok, un petit boss. Salut mon gros. Attends. Ok, j'ai compris. Il y a que avec cette poutre que je vais pouvoir faire quelque chose. L'autre, waouh.
Il se passe quoi là? Il est où le dernier? Il est où le dernier là? Je vois des ennemis par là mais... Propre ça. Tout va bien? Ouais. Ouais. Merci. Fisk, tes hommes vont bien. À ton tour. Qui dirige les démons? Peut-être qu'il est là. Ou peut-être pas. Va voir sur le toit. Cette discussion obscure m'avait manqué. Ok. Rebonjour. Sérieux? Non, 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 non! What? Ah pardon, excusez-moi. Putain, je suis allé ouvrir à mon chat. Je rêve ? Non ! Ok. On m'a signalé un hélicoptère avec une boule de démolition. Ouais, la situation avec les démons, c'est compliqué. Bougez pas, Yori, m'en occupe. Que j'y arrive. Ouais, c'est chaud. Il va vite, ce bâtard. Chaud de le rattraper là, faut qu'il ralentisse. Ça va ralentir. Putain, ça va être chaud. L'hélicoptère est en train de détruire la ville. Je sais. Vous devez absolument l'arrêter. Je sais. Vous pouvez peut-être super agir plus vite. Ouais, t'es une ouf toi. Je vous rappelle. Mais pas la pression non plus, hein, meuf. Comment tu veux que je fasse là pour aller aussi vite? Je ne peux pas aller plus vite que ça, hein. Et c'est le moment. Ok. Ah!
J'espère que je vais pas le regretter. Ouais, non. Hé, c'est bien le vol pour Newark ? De plans remplacer Fisk. Fisk n'est que le commencement. Non. Non, non, non. J'ai mongolisé sur le Y là. Je crois qu'il voulait juste appuyer. Serve de plans remplacer Fisk. Fisk n'est que le commencement. Un moteur de moi. Maintenant le deuxième. Vas-y, déplace-toi, mec. Mais je comprends pas. Comment je bouge sur le deuxième? Ah oui, d'accord, faut que je passe par là. Je vais devoir vous demander d'arrêter cet hélicoptère, monsieur. Je dois arrêter le deuxième moteur. Un plan. Il m'en faut un, et vite. Ok, ce sera ça, le plan. Magnifique. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Oh non. Oh là là. Un plan. Il m'en faut un, et vite. Ok, ce sera ça le plan. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, tu rates pas. Oh là 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 là, magnifique. Tellement stylé. Il est super classe ce masque. Tu l'as acheté où? Cool. Merci. Ils ont un site internet. Oh là là. Hey Yori, j'ai attrapé les méchants. Mais Mais quoi? Il va falloir que vous apportiez une échelle. Allez Miles. Eh, le fanboy. Oh merde, tu es en retard. Tu viens pas? Non, je dois aller à la cérémonie de mon père à l'hôtel de ville. Ah ouais, c'est vrai, bah félicite ton père pour moi. Putain, c'est Miles Morales. Oh. Stylé. MJ, la cérémonie a déjà commencé? Il s'installe encore. Où c'est? On arrive, on arrive. J'ai eu un empêchement. J'arrive bientôt. On arrive, t'inquiète même pas. Faudrait qu'on attribue nos petits points de compétence. Il me semble qu'on en a au moins un en attente, si ce n'est peut-être deux. Avis à toutes les unités. Braquage à main armée en cours. Agent dans la zone de Gramercy, intervenez. Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter le magasin. Nice, c'est ça. Il est où l'autre? Reste un là. C'est faire baisser la criminalité en arrêtant Fisk. Je me suis peut-être emballé. Alors, compétences. Oui, d'accord. On a 3 points de dispo.
En effet, il serait temps. Les combos élevés génèrent de la concentration plus rapidement. Ok. Ralentit le temps avant de recevoir un coup fatal. Ouais, mais pff, ça, on s'en fout. Ça, c'est cool, mais dans les airs ou après avoir sauté sur un ennemi, appuyez sur X et A pour créer une onde de choc. Ouais. Ah ouais, ça c'est giga propre. Hein. Il coûte 3 ce bâtard. Ok, ça c'était quoi ces aériennes? Ah oui, en fait je l'avais pas celle-là. Après il y a ça. Lorsque vous projetez un ennemi, appuyez rapidement sur Y. Ah mais ça, en fait, c'est trop bien ça. Faut que j'aille prendre ça après, en fait. Ok. Ok. C'est beau. Avis à toutes les unités, une course poursuite est en cours. Rendez-vous sur Bowery. Ok, ça, c'est une course poursuite à haute vitesse. Pas 5 étoiles! Allez, Spider-Man! Tous ces moyens se prennent pour le nouveau fils! Hé, hey, ça c'est pas sympa! Rendez-le! Terminus! On me téléphone! Il faut saluer le chauffeur! Les heures de pointe à Manhattan, c'est pas de la tarte! Nice. Ok. Un crime là. Oh, c'est pour moi tout ce chantier. Oh. Ça dégage. Okay. C'est le premier qu'on a vu, le dernier qu'on élimine. Si à l'âge de 12 ans on m'avait dit que des types masqués chercheraient à m'exploser au lance-roquettes, ben je crois que j'aurais sauté au plat. Allez hop, le petit niveau.
du coup, je voulais prendre quoi? Je voulais prendre ça. Hein. Maintenez Y. Hein. Ok. Nice, nice, nice. Voilà l'entrée de la scène. Et on sera juste devant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tout se passera bien, chérie. La dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un c'est moi. Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Tellement stylé de voir l'histoire avec Miles Morales. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man, je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros? Ouais, ou disons plutôt que je suis un dur à cuire. Viens, chérie. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est une chance pour notre... Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails ? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça, et résoudre cette énigme. Ouais ? Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Mais on pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors, on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre. Bon, un repas tout à fait normal. Cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Bien. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Allô? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez? Vous regardez souffrir. Thank you.
Miles! Avec moi. Je suis là. Ne me laisse pas. Oh Dieu, merci. Tu m'entends, mon chéri? Tu m'entends? Serre par ma main si tu m'entends. Reste ici. Je vais aller chercher ton père. Peter. Peter, réponds. Allez, parle-moi, je t'en prie. Maman ! Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Par là-bas. Putain, la scène est ouf, hein. La scène est incroyable. Cinématique de fou là juste avant. Maman ! Maman ! Ça va ? Travail, petit. Tu vas bien ? Oui, 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 oui. Et toi, est-ce que ça va ? Je vais bien. Ça va. T'es sûr que ça va ? Oui, ça va aller. C'est fini. Je m'en sortirai. Mon ange. Bon, écoute, je dois retrouver papa, d'accord ? Non. Miles, papa. Non ! Miles, non ! Papa est ici. Je vais le trouver. Miles ! On va le trouver, papa. Il est où le papa ? C'est pas par là. Ouais, ok. Papa est en vie. Je le sais. Il était juste là. Je peux longer le bord pour les contourner. Longer le bord ? Par là ! Pas maintenant. Ils me verraient. Ok. Vas-y, casse-toi, mec. Mais il bouge jamais, lui. Ok, il faut juste que j'attende qu'il ait plus son faisceau, je vais au fond. Ah, ok. Non ! Non ! C'est pas cool, le petit coup de taser. Oh wow. Wow. Je dois trouver un moyen de les contourner. Merde. Wesh mon yo, comment il va celui-là ?
Ça va, impeccable, gars. Ok, un moyen de les contourner. Là, il est diverti. En soi, je reste ici, sinon. Ah non, lui, il bloque, là. Je dois trouver un moyen de les contourner. Ouais. Pas pour l'instant. Ok. C'est des ouf, je dois aller où? Là? C'est Spider-Man, ouais, c'est Spider-Man. Là, on joue Morales, là. Je sais pas si tu vois, mais dans les nouveaux Spider-Man, c'est Miles Morales qui devient un nouveau Spider-Man. Et on a eu une cinématique de fou, là, juste avant. Il y a eu un attentat sur son père qui est keuf et qui recevait une médaille pour avoir aidé Spider-Man à déjouer un truc. Ok. Là, on a une petite séquence, infiltration, on incarne Miles Morales, mais qui n'a pas du tout encore de pouvoir de Spider-Man. Ok. Ok, maintenant. Wow. Ok, c'est censé être quoi la strat là parce que. Je suis là, papa. Lui il est vraiment là en plein milieu quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut que j'y aille. Là, normalement, non. Je me retrouve au milieu de tout le monde là. Non! Ça suffit! Nous devons partir! Tout de suite! Le papa. Petit bâtard. Papa! Ok, je savais pas. Bon, alors, mon Yo, ça va ou quoi? T'arrives au bon moment, hein. Je pense que je vais cut après cette séquence. Papa. Je garde les deux petits bébés à la maison en solo là. Papa, non. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, allez. Réveille-toi. Et RIP. On se fait un petit call sur Discord. Yes. Vas-y, carrément. Toutes mes condoléances. Est-ce qu'on se connaît? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, c'est vrai. Oh. La douleur s'estompe avec le temps. Oh, ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'essayais seulement de... Seulement de m'aider.
suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Fin de l'acte 1, sacre pipe. Ok. 3000 d'XP. Je suis désolé, Jeff. Ok, pas de nouvelles compétences. A priori, on a du nouveau gadget. C'est quoi le délire? Toile électrique, on peut la booster. Ouais, et ça, on peut la booster aussi. Ok. On a des nouvelles tenues aussi. Point électrique des condensateurs haute puissance qui électrifie temporairement vos gants et les ennemis touchés. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être cool comme super. Jeton de base par contre... Ouais, ça coûte un jeton de base. On va peut-être écho. On va attendre de voir ce qu'est le mieux. Bref, de toute façon... Oh non, mais elle m'appelle toujours celle-là. Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee? Non, je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles? Super. Salut, c'est moi. On passe nos petits coups de fil. Comme quelqu'un qui a merdé, et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police, ils ont des pistes sur lui? Non, ils le cherchent même pas. Mon Yo, c'était chaud, là, je vais cut. Alors c'est à nous de le retrouver. Je vais cut le petit stream. Je vais aller recoucher Marius, enfin, je vais aller le remettre dans son lit principal. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache? On sait qu'il est pas autiste. Il n'est pas après, au je me co sur Didi. Il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais, beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. C'est quoi ce truc là qui se déplace? Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. C'est une quête annexe. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. C'est qui ce mec? Putain, je pouvais l'attraper là, j'ai chié. De recevoir des nouvelles d'Adrian. Le bâtard, il s'est barré trop loin. Vulture. Apparemment, ce criminel ailé a un cancer et a été déplacé à l'infirmerie du Raft pour être traité, ce qui coûte certainement une fortune financée par les fonds publics. Permettez-moi de vous demander ceci. Pourquoi une infirmerie au Raft? Oh non. C'est une prison de très haute sécurité. Il est trop chiant. Pour être psychopathe. S'il tombe malade, laissons la nature faire son œuvre. Et si vous trouvez ça choquant, attendez devant ma feuille d'info. Ok. Ok, mais c'était un pigeon de merde, ça. Impeccable. Très très bien. Bon bah franchement, gros kiff. Hey Howard, j'ai vraiment j'ai trouvé grave un mes cousins kiffé. PJ. Oh, arrête d'appeler partout. Il a là, des taches grises. Et je crois qu'il est... Et gros kiff de retourner sur le jeu. Et on va continuer ça demain. Je pense que demain soir, je renvoie une petite session. Il y a moyen. Il y a moyen. Et peut-être même demain après. À voir. Voilà. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à Malou d'être venu sur le stream. Force à toi, gros. T'étais resté la dernière fois jusqu'au bout de la nuit également. Et merci, mon yo, le boss, le goat. On se dit à toutes sur Didi. Ciao et à très très vite.